Merci, merci, très chers auditeurs, il y a Vitesse TV. Tous vous souhaitez un bon week-end et l'amour. Et si vous avez un bon soir, na banda. Peut-être si vous avez une émission, vous avez un bon soir. Vous avez un bon soir. Vous avez un bon soir. Vous avez que la situation est préoccupée pour vous. L'air est tellement grave, la complicité ne fait qu'accroître du côté de l'ennemi. Il y a un moyen de toyer les sous-sous, de zonger les bino, pour te couper sa bino basango. Il y a complicité purement internationale, au Ebanda, il y a de cela 50 ans. Parce que les Kambo, oh yo, batu sous-sous, biso ne va congoler, tout le monde en local, les Kambo, c'est qui? Mais les amis camoupena ali se quitter ma camoula biso na ba Rwanda. Je pense que il y a un adage ali ngale lo baka soki bo moni mwana so so atondi na nzungu c'est que maman na zana se. Et loko na lo bakango pe na ko lo bakango tango nyonso le Rwanda en lui-même n'a pas de moyens, n'a pas de financement probable pour nous faire face à la RDC. Surtout par rapport à la situation de la guerre. Rwanda a été en train de faire une guerre contre Bissot. Ce qui est là, tout le monde que Rwanda est là comme il est là face à la RDC, c'est parce que dans le Barangwa, à tout moment, il y a que les Occidentaux. Au bas de mentor, il y a Paul Kagame. Au bas de Kabbalah Bango, il y a de cela plus de 30 ans. Il y a replacé Kabbalah le Bandara tout d'abord. Il y a déstabilisation du régime à Mobutu. Parce que Bandara a déstabilisé Mobutu lors de la depuis accession, il y a Museveni en 85. Avec départ, il y a dans l'Américain, il y a créé départ, il y a Milton Obote. Donc, Museveni, Naba Kagame, il y a Kotara na Uganda. Donc, ils étaient des compagnons de James Kabarebe, de Kagame. Ils étaient là comme les rebelles ougandais pour la reconnaître à Milton Obote. Après un temps, Kagame a été responsable du renseignement militaire dans l'Ouganda. Après prise de pouvoir, par rapport à la prise de pouvoir, il y a Museveni. Quand et comment il y a suspicion à l'endroit, il y a l'Ougandais. Alors, Museveni a dit que non, il faut nous garder de voir comment on va se débarrasser de James Oyona na Kagame. Yango abimisaki bango avec 3500 militaires touti au balaki na Uganda de façon que bango sa la première incursion na bango zaka ya le 2 octobre 1990 auto mona ke incursion na tamba sala à l'époque c'était le général Abiyarimana Juvenal Abiyarimana qui était le président. Ils ont été châtiés et éduqués sérieusement par les forces armées zaïroises de l'époque, oui, oh, avec comme celui qui a mené des opérations, avec à la tête de l'opération, c'était le feu général Mayel. Autrement dit que Makambuya, Front Patriotique Rwandais, et comme Makambuya Arusha, la négociation Arusha, où il s'agit plus de 4 ans. Où il s'agit que Makambuya Arusha, où il s'agit que et même Abiyarimana na liwa. Parce que liwa et Abiyarimana, ça a été occasionné par les Américains eux-mêmes, avec le régime de Bill Clinton. Maintenant,
Les Occidentaux, ils ont vu qu'il fallait exploiter maintenant le minerai de l'Est. Parce que l'Ouganda n'est pas fort. Parce que base, il y a des Américains qui sont dans la Kamina. Il y a des gens qui sont transplantés dans l'Ouganda, dans l'ANTB. Tant que l'Américain n'a pas de bout, il y a des gens qui sont dans la Kamina, qui sont transplantés dans l'ANTB, dans l'Ouganda. Parce que les gens sont comme les gendarmes par rapport à la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Tant que mon bout a dans une utilité. Allô? Bayeko. Ko se campé dans vers Museveni. On va dire ba pion ya ba banai ko préparer pour na ko luka comment ko déstabiliser est. Parce que Kagame c'est un technicien de renseignement au atali bonna formé par les Américains. C'est vraiment un véritable pion des Américains. Surtout dans la tendance des démocrates. Les démocrates, pour faire le pillage de nos ressources minières, ils utilisent rapidement Kagame. Même à ton moment que la négociation est comme ça et là, les États-Unis, Bandeko, Bolaïke Mission, les États-Unis ont dit qu'elle n'a jamais coloba kebaza contre Rwanda. Jamais. Là, il faut enlever ça dans la tête. Peuple a dit qu'elle a reçu la sanction morote en défaveur de Rwanda. Là, il faut oublier. Que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Angleterre. Parce que le président Félix a su pouvoir. Parce que c'est lui qui a occasionné le départ de Kabila, c'est Donald Trump. Avec son émissaire qui était venu ici, Nikki Haley. Qui a dit des vérités franches à Kabila. Que tu dois quitter le pouvoir et tu ne peux pas briguer un troisième mandat. Là, il faut réveiller la mémoire en Abisso. C'est Donald Trump qui a causé, occasionné le départ de Kabila. Parce qu'il ne faut pas suivre l'hypocrisie. Il y a Joe Biden. Partenariat stratégique États-Unis, RDC, ça a raté. Bien entendu, vous avez un partenaire dans Bissau. Mais vous avez ni Tonga dans le Congo. Même à temps d'été, il y a l'Ilala, il y a l'Américain, ça a raté. Même à ta, ça combien de sur l'Américain, ah ils ont raté. L'unique entreprise ou l'Américain, c'était que les techs de Fuguru, mais ils ont raté, les Chinois. Mais, chose grave, peuple congolais a mené action moko purement constitutionnelle. L'article 63. Tout un peuple, il y a Congo, avant de défendre ma belle naïe en cas de danger. Parce qu'on manifeste, qu'on se manifeste la puissance pour soutenir Rwanda pour écrire le biso bitumba. Moi, je suis ambassadrice aux États-Unis. Comprenez que vous avez un peu de temps. C'est une prêtresse du mal pour les Africains. C'est une femme très très dangereuse. Pourquoi la lobby bongo? En 2010, Tangu Soudé et Kabouani, Moutoua, pendant l'équipe plaque tournante, il y a division, il y a séparation à Soudan. C'est cette dame ici, Oazali, ambassadrice. Ça. C'est pour cela que je dis, je suis en train de mettre dans la présidente de la République, c'est un agent, il y a CIA,
Yangon a donc attention, mingi a mon conseil en boca. Parce que, basi wana, mwana, moi si wana, on peut l'utiliser même que à côté, en connivence avec certains proches, nous sommes chefs de l'État, pour pas nous qu'élimination physique, parce que c'est ça que les Américains cherchent, c'est éliminer les chefs de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ils sont bloqués. Bagozo minerai a moins sauté, bagozo minerai a oubayaté, bagozo minerai a kishicheté. Parce que leur problème, c'est là, c'est bâti par Polonais. Problème, c'est ça, c'est Polonais, y est, pour renforcer par M23. Objectif, comment qu'on fait tomber ça, que n'a qu'on fait qu'on soit vide à Goma. Et d'ailleurs, Congolais, et l'homme est singulier au Yéba, que ma bombe est larguée, ce ne sont pas des militaires rwandais qui ont besoin de mettre en haut. Ce sont des Polonais, ce sont des bombes d'origine polonaise, des bombes d'origine britannique et des bombes d'origine américaine. Ce sont les armes américaines. Parce que et ce sont des provocations purement occidentales. Comme ils savent que l'armée congolaise s'est montée en puissance, États-Unis, c'est quoi, est-elle maintenant que non? Il faut ton bondissa maintenant Congo. Il faut ton s'amener les minéraux congolais par force. Est-ce que, tant que quelqu'un vous dit, nous sommes un État souverain, ben non, ils n'ont pas signé. Vous verrez aussi de certains journalistes, à cause, il y a $10,000. Un $5,000 va promettre que je vais payer par mois. Aux gens qui boba, aux gens qui bilo comme moi, ils sont en défaveur, il y a État, il y a Nation. Il y a des gens qui ont été local. Il y a Peter Tiani. Il y a moi, Élisée Odia. Des journalistes purement traîtres. Il y a Nation. Ce sont des journalistes qui ont mené des actions antidémocratiques. Il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. Aéroport à Goma, Yangouan. Babou qui va bombe à 2h du matin. Les gens à 2h du matin. Mais il n'y a aucun incident. Auprès de l'aéroport, il y a Goma. Ma bombe est tout près de l'aéroport. Mais les actions et les activités, il y a l'aéroport international à Goma, ils ont fonctionné en bon uniforme. L'aéroport, Bobo qui bombe. Namuguga, Bobo qui bombe. Mais il n'y a aucun incident. Tout ça pour créer psychose. Tout ça pour créer un problème. Parce que maintenant les États-Unis, ils ont un shit à Goma. Mais ça veut dire qu'Anthony Blinken a dit qu'au Tambola, qu'en Angola, à quelque partie par là, à Tamboli, à Congo, Brazza, pourquoi? Qu'on poussait le président Félix à négocier avec M23. Pour négocier quoi et pourquoi? Va négocier Nini. Négociations n'auront pas lieu. Parce que notre cause est bel et bien juste. On va négocier pourquoi? Bénéfice et négociation. Oh, bah, Américains, bah, l'ingato, ça, la NAV M23. Pour aboutir, n'est-ce pas? Parce que les gens ont fini le monde entier. Et mon ami, c'est l'Amérique qui combat la RDC. C'est la Grande-Bretagne qui combat la RDC. Parce que comme on a Pologne, on a Nengeye.
yango moni ke na pesi merci mingi na gouvernement tanzanien oyo lobi ke e bloqué ba matériel mususu ya ba polonais oyo lingaki kotransiter na Tanzanie. Ba lui plus jamais Tanzanie ko servir ponte pour na passage ya ba arme. Que pour Ebana port ya Dar es Salaam et transiter Tanzanie pour côté na Rwanda. Tanzanie aboy. Aboy transit Rwanda. La Tanzanie a refusé. Maintenant, vous avez mon abino moko ba provocation oyo ba occidentaux ba dako sale. Parce que vous avez dit qu'une fois que la RDC a attaqué Rwanda, il y a un gendarme sous caché. Nous allons fermer nos frontières. Entre nous, le Rwanda et l'Ouganda, il y aura un mur. Il y aura un mur de séparation. On ne s'attendra plus jamais avec eux. Parce que Rwanda a zuyayé. Relations diplomatiques coupées et maintenant etikali sikoyo na Uganda. Uganda nous allons couper maintenant la relation diplomatique. Kenya et Rwanda yango ne kitakali sou soit hein. Baza sanction. Et kitakali sou soit. Parce que bon nous qui va américain va se libérer pression d'engagnos. Sans comment dire que les Américains vont comme ils vont terminer la Sud Africaine parce que la Sud Africaine va pas y construire une injonction à Bango. Et je ne suis pas d'accord d'avoir proposé à Thabo Mbeki, l'ancien président Sud Africain, non. L'affaire RDC Rwanda, il faut une solution politique. Mais la solution politique, parce que on sait que dans la diplomatie, il y a l'option politique, il y a l'option diplomatique, il y a aussi l'option militaire. Combien de rencontres Salé Maté Bissona Rwanda, Tanzanie, Nairobi, Tokutanite Platini. Plusieurs rencontres. Kagame ne veut pas changer. Kagame ne changera jamais. Même Oye Salé Maté Lobby n'a dit Sabeba. C'est un plan des Américains. Là, on va te dire que Lorenzo Soka Parvena, l'ancien ministre de la Défense angolais sous Eduardo. Parce que Eduardo Azamuta bloque mon communiste. Et ça, l'Américain, on va faire tout. Pour Eduardo, on va présenter Angola. Alors, ce sont des partenaires. Il y a ma casse, il y a Joao Lorenzo. Donc Lorenzo Denga Zawana, il va que dire seulement oui et amen devant les Américains. Initiative, il y a ma cambo et c'est ma kilobi. J'ai aimé la réponse du président Tshisekedi. Il a dit que nous ne négocierons jamais avec les M23. Et la guerre, Oezali Bongo et Zana S, ce n'est pas une invention congolaise. Mais ça émane du Rwanda. Donc, le président a langage naïe face à ma père naïe africain. Na Addis Abeba, il a été clair. Mais il a été aussi dans un langage moko répressif à l'endroit de Rwanda. Donc, négociation aux alatés. Alors, pour la négociation, voilà Bobosana. Négociation n'a pas M23 tant que je suis dans la magistrature suprême RDC, Bobo Sanayango. Bobo San. Il n'y en aura pas. Négocier quoi? Et pourquoi? Parce que les Banyarwanda n'ont aucun centimètre. Il y a portion à terre dans Mboganabiso. Masisi, c'est. C'est un territoire qui appartient au Baoundé, au peuple Houndé.
Oh, bah, on va toujours bien exterminer à tout moment pour pas s'accaparer. Baba, on va toujours exterminer. Tribu, on va pas s'accaparer dans ma six. Bon, on va regarder ma population. On va dire originaire de Routchou. Combien il y a ma cambo et salami dans l'Est. Oh, ton moni. Ba massacre au ba Rwanda ba sen nzela ya RCD. Ba massacre ya Mwenga. Massacre ya Kasika. Massacre ya Makobola. Plusieurs. Hein? Plusieurs fois. Tomoni que ba massacre au Kagame au Kasai na mboka na biso. On a beaucoup tué les Congolais. C'est pour cela moi lumière qui ti mouke na la kosenga la technique ba renforcer lumière. Bon garder toujours que ingénieur JP ya mbangu pour na yako renforcer lumière. De la manière à ce que, tout le monde très clair, tu as cédé, ma belle n'habite pas que n'était, Congo est votre qu'elle a un indivisible. Il n'y aura pas de balkanisation. Balkanisation au salaté. Père votre qu'elle a rappelé au salaté. Nous devons être fiers. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est congolais. Kabila, pendant les 18 ans, il y a un régime naïe. Il nous a fauché. Tout le monde a ordonnance en 2013. Il y a un officier belé prématurément. Bamiral Iwanga, le monde va générer belé. Oh, il y a une occasion de prendre la côte de l'officier rwandais. Plus aujourd'hui, na 2013 wana, plus de 25 000 hommes, il y a des Rwandais qui ont une armée en Boka Nabiso. 25 000 hommes, s'il vous plaît. Na 5 na technique même pour renforcer Biso Limien. Plus de 25 000 hommes. Bakoti na côté à Rwanda. To sangi na technique même renforcer lumière. Roméo. 25 000 hommes. De la manière à ce que bazoy ko bazako toujours ko renforcer mixage. Or que ba mixage na brassage ya ki ba moyen or to zo pona ke ba banya Rwanda. Babanya Rwanda va quoi l'ouvrir pour infiltrer l'armée Nabiso. Les autres moyens d'arrestation. Il y a Redoc, il y a Aner avec ses deux adjoints. Redoc a Aner avec ses deux adjoints. Un Redoc, c'est le numéro 1. Il y a service à renseignement dans une province. Lui, avec ses deux adjoints, il a été appelé en Boka Nabiso na Rwanda. Le là, il a dit que non, Félix Tshisekedi est un escarmouche. Il a attaqué Rwanda. Mais il a attaqué Rwanda, il a été infiltré par les pandistes. Il y a un Zambé à Pambola, Charman, Jean-Pierre Bemba Gombo, na Moussala Zosala. Nandenga yo moka zo keta descend sur le terrain. Yako kanga batona. Mais je vous dis, il y a plus ou moins 86 personnes au bazar arrêtées. Pour la Makambwa est, les traîtres.
Lero jiminzi ya niwana. Oba kangi. Porte parole adjoint ya Chirimouane. Parti ya Julien Palou. Ya rando le baké. Julien Palou, vous pouvez pas l'andeler madame. C'est un jeune qui est plus proche. Ya Julien Palou. Oba kangi wana. Jiminzi ya niwana. Abané qu'on menace Constant Dima, qu'on finit à Constant Dima, qu'on critique Constant Dima. Même à temps à moi, conclave mon reste à la maquillage. Table ronde de salaire pour la macambo, il y a évaluation pour l'état de siège. Parmi Batu Oyo, Bari Golobake, Basta le Valo, la mesure état de siège, Julien Palou Kaginakat. Mais Lelo, parmi Batu, Madame Oteka, ma positionnement est sur la S. Jimin Zian, c'est le plus proche. Mouta, à la proche, il y a parti, il y a Julien Palou. Il y a moi, Julien Palou, qu'il faut relancer ma lame. Il faut retenir à l'œil. Parce que c'est dangereux. Pourquoi ma kangi Jimin Zian, ancien membre du mouvement citoyen. Il est en connivence avec le Rwanda, les M23. Il est en connivence avec les ambassadeurs. Pour le Rwanda, comment corrompre les officiers pour passer la coup. Comment faire chuter ses virages à Goma. Pour le comment livrer Goma. Parce que, il y a un avantage, on va proposer qui bango. Et par rapport aux officiers, nous sommes collaborer dans le Rwanda, mais nous sommes en lien. Il y a ma prime, il y a ma salaire, il y a ma soldat. Il y a ma soldat. Ce que je dis bien, c'est que je vais aller et tout parce qu'il a découvert et découvert beaucoup de choses. Bon, il y a ma prime, il y a ma prime, il y a ma salaire. Ils ont commenté. Ils ont soutenu militairement. Mais Jimin Zian, c'est quelque quoi le porte-parole adjoint, il y a un gouverneur militaire qui est Chirimouane. Bilogo souhaite aux gens de pourquoi pas se renouveler, nous dit les extrémistes. On a pas ma camboie. Peter Kazali, ce gars qui patriote, ce gars qui ministre est moins compétent, Fala Tambolakana Bemba, pas la bicycle en dégoût. C'est lui le ministre de l'Intérieur. On est en train de protéger l'impérateur, l'assassin, les alibons, il y a la puissance aussi dans l'ambassade de Bango. Contre les Congolais, on va défendre la cause juste. Ça, on ne comprend pas. Mais le ministre de la Défense, alors ça, il y a un rôle, il y a un ministre intérieur, il y a un ministre. Dans le ministère, dans les mots propres. Moi, je vais dire ici, si, ceci, le chef de l'État. Quelqu'un comme Bemba, par rapport à sa rigueur, moi, je souhaiterais ceci. Qu'il soit nommé Premier ministre et le ministère de Défense est attaché à la primature. Ça, selon moi. Parce que Bemba, j'ai senti en lui, Bolingo Yamboka est la rigueur. Parce que ce qu'il fait, c'est plus que même un premier ministre. Premier ministre, c'est au Zalakane, au gouvernement, par Warrior. Tu n'as jamais aucun S pour évaluer la situation de la sécurité. Jamais. Jamais. Peuple congolais, aux Zolandangaï, au niveau de l'Est, il y a Libanda. Sur 100%. Il y a territoire, il y a Moutako Sabinoté. Nous avons fait des statistiques, nous avons fait de la cartographie. Par rapport, il y a un espace qui est sous occupation par l'ennemi. Ce n'est que 8,7%. Il y a territoire où ils allaient sous occupation. Où il y a une autre qui est sous occupation, ben M23. Bon, par espace zone, les alliés sous occupation, c'est moins de même de 10%.
bakambu ya ba guerre médiatique té o ba rwandais bala ko sala na ebisa bino ko ba rwandais bala ba compte Facebook ebele na isbana ba Instagram ebele ils ont une forte Kagame a organisé une forte armée numérique pour créer psychose pour créer ma foyer de tension surtout pour ma kawagero. Vous devez être très 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 attention. Nous avons identifié plus ou moins 50 comptes Twitter au M23 en amont. Donc, l'ongola na mutu que le président a dimi négociation avec M23, non, il n'y en aura même pas. Lorenzo, c'est Lorenzo qui voulait ou non, il faut donc contre la pression pour parler, nous sommes des Africains, non. Parce que l'équipe de l'Oko, l'Américain, va tinda qui est. On convoque le sommet, tout ça, boy na boy. Tout ce que fait le président, on connaît que c'est l'hypocrisie des États-Unis. Il y a un royaume qui est président de la République. Ma prochain sommet, vous allez la convoquer par Lorenzo Okedangote. Parce que j'ai remarqué que non, comme on va utiliser Lorenzo pour bien que ça va sommet, il faut faire très attention. A bien dit, on a fait ça. Mais Lorenzo, il faut que Angola, tant que vous l'aurez désiré, Kabila Koufagi. Gabon, Omar Bongo, il faut Congo, Brazil, Angola, Pays-Bas. Les trois pays-là, ok, j'ai cité. Ils étaient au courant, il y a Laurent Désiré Kabila. Pour le moment, on vient de découvrir que Batamama Désiré, Laurent Désiré, Bahouta même Nati, Bahouta Cameroun. Cameroun, Bakoti Gabon, Gabon, Bakoti Congo, Brazil, Bakati ici. Peut-être que ça a l'action, Bimeli Penzera, Bazongi Gabon. Ma présent le collègue Paul Biya, tata mon conseil, vous avez la confiance na yete. Ma le collègue ma présent même ma pays le collègue Gabon, vous avez la confiance na bangote. Ma pays le collègue Congo Brazza, copain ça va confiance té. Même Angola. Ces quatre pays là, ba ibaka liwa ya musée ma lame. Que ba ibaka non à telle date et à telle période, on va tuer musée. Il faut que la vérité, tata moto le la vérité de la manière à ce que on sera ma précaution. Oye baba nani baza banane. On va taper le État d'Afrique de l'Est wana kutu soki ba EAC wana. Là, il ne faut pas donner confiance. Surtout ba pays où ils approchent na France. Ils ont un pays où on peut ça bango confiance té. Va payer le roi à Côte d'Ivoire. Pourquoi les lois Burkina Faso, Mali, Niger, Balongwe na CDAO. Tous les coups, on va français, va salaga, contre les coups d'État dans l'Afrique de l'Ouest. Plaque tournante, c'est la Côte d'Ivoire. On a découvert aujourd'hui que Kouya Roboma Thomas Sankara, c'était Oufouette Boigny et Omar Bongo. Ma plaque tournante, Oya Liwaya Thomas Sankara. Mais l'actuel homme dans le pouvoir, c'était un oufouettiste. C'était un pion français. Tata la Androya Makambo, le Guinée, Côte d'Ivoire, nanana, entre ba, y a Niger. T'as la position Côte d'Ivoire et Zalaki Nango. Ni t'étais front commun Mali, Burkina Faso, ne situation de Ningaiko. Ningaiko perdirait. Niger va qui solidaire. Solidarité à trois pays où on est les États de Sahel. Il y a un seul qui est contraint de Bamakamoune sur Côte d'Ivoire. Et moi, j'insiste et je le répète. Tata Mokondi, en matière de sécurité, ne ménagez personne. Pour assurer la sécurité, vous avez la confiance en Moutouté. Dans le domaine de la sécurité, vous avez la confiance. Vous avez raté, Amiens, vous avez raté, moi, vous avez raté, moi, je ne suis pas raté. Ça, c'est la sécurité.
et la montée en puissance aujourd'hui de FARDC. Parce que la communauté internationale n'a raté que Congoise en armée à Makassi. Il faut que l'armée à Makassi. Moyen bas ça l'exploitation des minéraux n'a plus ses athées. Ils sont maintenant bloqués. Et ces gens ne sont pas contents. Mobutu va maintenant fragiliser l'armée naïe depuis 1985. Même si Mobutu, non. Tant que l'Amérique va s'en consommer des armes du soutien. Oh, ils ont. Va dire que ça devait qu'il y a projection avant que non. Si il faut fragiliser Mobutu 10 ans avant, tant que l'Amérique va dire que si en 1995, Mobutu a commis fragile avec la maladie, alors va y relancer l'action à Bangoya AFDEL. L'AFDEL, c'est les États-Unis. Pourquoi je l'ai dit, les États-Unis, ils ont armé armes qui sont en Somalie. Et il y a en Ouganda, il y a un Laurent Désiré Kabila Bandara dans la guerre à niveau Yaouvira. Donc, bref, l'air est tellement grave. Mais je sais une chose. Tout ça, ma chrétien, tout ça, au Sambela. Il n'y a que deux personnes. Na Congo, au bas la solution à pacification via Est. Je ne parle pas, moi je ne connais pas le président Félix. Aye binga pété. Parfois, moi, je suis en train de faire ma chaîne. Mais Jean-Pierre Bemba, aye binga pété. Nana mona na été. Je pense, par rapport à ainsi dit l'Éternel, parce que avant tout, Dieu prime tout. Nous sommes dans la souka, nous sommes au-dessus de nous. Et l'or au Seigneur te yéba. La nuance est à l'école. Il n'y a que deux personnes qui ont dit que la solution pour le Congo, surtout pour la pacification et la situation Est. Il y a le président Félix et Jean-Pierre Bemba. Et surtout Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un. Oyo, nous sommes à Tieloboko. Surtout pour la pacification à l'Est. Je dirais à ces deux personnes, bon bébé ça, bon de tout, bon, c'est-à-dire, bon trahir mon côté. Pour ça, que ma foute est ensemble, ça dit qu'on a bino, pour l'intégrité territoriale de la Congolais. Nazola, ma loba, oh, y'a naïté, et ça, ma loba, oh, et où t'es pas ensemble. Il n'y a que vous deux. On s'en pour le moment à Katinabino. Pour nous pacifier la situation sécuritaire à Congo. Alors, cette alliance-là, que confiance on s'en va à Pessibino. Bon, bébé, c'est un côté. Pour ceux qui ont le bon bébé, c'est un côté. Nous ne sommes pas à Pessibino, mon Congo. Peu ma génération à Bino, peu. Et aussi, ma conséquence grave. Et aussi vu ma conséquence grave. J'insiste et je le répète. Tata mon kondia ekolo, boza batu oyo liswa nzambe za likolo na bino, pona makambo ya situation est. Et moi, gana yebi une chose. Je suis chroniqueur politique, mais je suis chrétien. Un chrétien né de nouveau et né de l'esprit. Rwanda retire à regagner guerre à Wate. Nous sommes dans un temps où Dieu est au contrôle pour le Congo. Nous avons un contrôle Yambo Kanabiso. Et je ne pense pas. Kagame qui s'attendait qu'aujourd'hui on soit cancer dans la carte sans autre. Et le cancer là, ça va lui ramener à la mort. Il faut comprendre. Bassine de temps. Et si on dit aux amis, parce que Kagame est malade. Yango. Naibi que na mandature, oh Dieu va faire grâce. Naibi que les Occidentaux, nous sommes tous au Salawana. Et si va comme une souka. Et le président Félix, vous devez garder votre calme
et se confier toujours à Dieu. Nzambe aussi okene ko sala dédicace ya Congo na 2019. Se confier kana nzambe wana. Zala toujours attaché kana nzambe wana. Et ce Dieu là va te défendre en tout et pour tout. Parce que même libération à Jean-Pierre Bemba, et ça parce que Dieu lui a confié une mission. Il y a un miracle en Zambie. C'est Dieu qui a intervenu, qui est pour Bemba Bim. Parce que Nzambe a mis ça Bemba en prison parce qu'il savait que Bemba a une mission spécifique, une mission spéciale. Il y a surtout pour Makamba Est. C'est pour ça que je m'adresse à Jean-Pierre Bemba. Que Ayeba, que ce gars Bima en prison. Et ça, parce que, et ça, ce n'est pas un hasard que Tata Mokonza prenait comme ministre de la Défense. Je ne dis pas ça pour vous flatter. Je n'ai besoin de rien. La vie que j'ai, dans tout ce que c'est Dieu qui prend soin de moi. Mais, cette guerre va appartenir au passé. Et la population de l'Est, message n'a pas si bien besoin de Routchou, de Tongo, de Tongo, de Tchanzu, de Kichanga, de Bunagana, de libéré l'esclavage au M23. Vous serez libéré. Et le Congo va revenir à l'intégrité pour contrôler la situation sur l'Est. Parce que calcul à Mindele pour la balkanisation en Boka ou aussi Mbate. Ça ne tiendra pas. Même si la Pologne est aux côtés de la Rwanda, il y a aussi une armée forte. Où est derrière le Congo, c'est l'armée de Dieu. Tous ces bombardements-là, ça ne représente rien. On connaît que ce sont les militaires. Les experts militaires américains qui les font à partir du Rwanda pour intimider le Congo. Mais on ne se laissera pas faire. Et nous avons des armements pour contraindre l'ennemi. Je le pense bien que la victoire nous appartient, peuple congolais. Victoire des Anangambu Nabiso. Et les Rwandais, les Américains, les États-Unis ne feront rien contre les Congos. Donc, je vous remercie Mingi, Nengbola Nibiso. Je vous remercie Mbote, Mingi, Maman Nabiso, Gloria. Je vous remercie la première à liker mission. Je vous remercie Maman Charlotte Matiti. Je vous remercie Papa Panda. Je vous remercie Papa Norbert. Pendant Norbert et à Paris, na papa Emmanuel au Azali Bongo na kati ya États-Unis d'Amérique, pe na bande ko bozwami na niveau ya Gabon, na niveau ya Angola, situ ndeko na ngai Moussa Matondo na kati ya Libreville, en tout cas mbote ya trop na papa na ngai na kati ya mboka ya Cape Town Afrique d'ici papa Serge, mbote yo linga toujours pe sanga ke ba good afternoon, en tout cas mbote ya trop pe na l'ingénieur et le grand régisseur de tous les temps, Roméo Golf, numéro Nangayangoana, plus 243 81 043 12 40.